Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense qu'on le voit pas là, j'ai le panier qui est à quelques dizaines de mètres derrière moi, peut-être 50 mètres, 60 mètres. Donc, tout simplement aujourd'hui, je vais travailler mes approches. Je trouve que c'est vraiment le coup qui est le moins bon dans mon jeu pour le moment. Donc du coup, c'est ce que je vais travailler aujourd'hui, ces coups entre 30 et 70 mètres en gros. Donc qui se font majoritairement au putter ou avec des petits coups au mid-range en gros. Donc voilà, c'est ça que je vais travailler aujourd'hui. Assez de blabla, c'est parti, on y va. Pas mal ça. Niveau longueur aussi c'est bien. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know. Les chaînes. Donc, alors, voyons voir ce que j'ai réussi à parquer. Le... Est-ce qu'on le voit là, le impact? Je vous l'avais dit, il est vraiment au pied du panier. Il est vraiment au pied du panier. Le zone, il est pas mal du tout. Il y a le méthode qui est là. Voilà, je pense que j'oublie certainement un ou deux disques, mais bon, je vais les retrouver. Et donc, voilà. C'est pas mal du tout. Bon alors j'ai ramassé tous mes disques, là ce que je vais faire, je vais aller chercher le buzz et je vais essayer de le lancer dedans direct. On va voir ce que j'arrive à faire. Bon et ben voilà, c'est ça qui va conclure cette petite vidéo rigolote où je travaille mes approches. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, ce genre de choses là. Si vous souhaitez que je fasse certains types de vidéos, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Moi ça m'aide vachement à savoir ce que vous voulez. Et si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser le disc golf, n'hésitez pas à leur montrer mes vidéos parce que c'est une discipline qui est encore très peu connue et j'aimerais vraiment que ce soit beaucoup plus connu que ça l'est actuellement. Allez, à la prochaine! Ciao !